Les amis, il y a un petit problème là en fait. J'étais tranquillement sur TikTok, curieuse comme je suis, j'ai décidé d'aller sur la barre de recherche TikTok et évidemment d'écrire mon pseudo pour voir ce qui ressortait, donc chocolat and vanilla. Et là, j'ai regardé les premières recherches. Je peux pas me frotter les yeux à cause de mon mascara, mais on va lire ça ensemble. Les 5 premières recherches qui ont été effectuées avec mon pseudo, c'est chocolat and vanilla Ri, la vidéo série que j'avais fait, chocolat and vanilla et Inox, chocolat and vanilla El Régal, chocolat and vanilla Twerk, chocolat and vanilla Maroc, chocolat and vanilla Fortnite, chocolat and vanilla Michou. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi des personnes réalisent ces recherches-là, s'il vous plaît? On m'explique ou pas, là? Parce que sinon, on risque de se regarder comme ça pendant un très long moment. Non, plus sérieusement, c'est donc pour ça que je me suis dit pourquoi pas directement faire une vidéo où je vais avec vous regarder les TikTok qui ont été réalisés sur moi. En tout cas, je pense que ça va réserver du lourd parce que là, les recherches qu'il y a eu me posent un très gros problème. J'espère par contre, bien sûr, avant que la vidéo débute, si vous ne me connaissez toujours pas, ou alors même si vous me connaissez, c'est encore pire et que vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne alors qu'on arrive bientôt au 1 million, qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes sincère là dans votre démarche? Abonnez-vous maintenant, voilà, vous activez la cloche. Et évidemment, n'oubliez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si vous voulez une partie 2, parce que je pense qu'après cette vidéo, il va sûrement y avoir d'autres tocs rigolos, j'espère. Et bien, c'est simple, mettez 30 000 pouces bleus sur cette vidéo, voilà, petit objectif de pouces bleus. Je sais que vous êtes très fort en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux, on fait que de passer dans les tendances, donc merci à vous. Vous êtes chaud? Je suis chaud le choco. Est-ce qu'on est prêt à regarder les petits TikTok? Oui, c'est pour dire, mais avant que la vidéo débute, on fait quoi, choco? Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Bon, c'est parti, on va mettre le petit casque. Pourquoi je suis gênante comme ça? Voilà, mon petit compte Chocolat and Vanilla, il est donc ici. C'est parti, on va faire les petites recherches. On va commencer avec Choco. Voyons voir. Vidéo. Oh, wesh! Attends, 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 quoi? Je viens de taper Choco et là, je vois quoi? Mon compte, bah voilà, 600 000 abonnés. Et là, je vois une fille, elle a 72 000 abonnés. Mais wesh, c'est quoi ces stats? 405 000 vues! Fan numéro 1 de Choco, venez suivre Choco sur YouTube. Non, j'ai investi dans du matériel de dessin pour dessiner mes youtubeuses préférées. Attendez. Je crois que je sais ce que c'est. C'est ça! Vous trouvez que c'est réussi, les gars? En gros, je sais pas si vous savez l'anecdote de ce petit cadre qui est juste derrière. On m'avait envoyé une lettre en me disant bah salut Choco, je sais plus comment elle s'appelle, pardon, je suis désolée. Mais elle m'avait offert dans une vidéo, je l'avais justement ouvert. 3, 2, 1. C'est ma photo de profil. Ok, je vois où est-ce que je peux m'accrocher. Ça fait mouf, hein. Attendez, va regarder. Premier mini, j'ai investi dans du matin. Attendez, les gars, c'est pas une petite fille. Ça fait giga rep là, attendez. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. C'est quoi ces mains? Mais c'est pas du tout les mains d'une petite fille! C'est quoi ces gros mains de daron? Est-ce que vous vous rendez compte? On a fait la première vidéo, on vient de percer un secret à jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais wesh, j'ai trop peur, ça peut être un big papa là de 47 ans, de 70 ans, je sais pas, un papy, il a fait ça. Changeons vite de vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Je suis tombée sur ça, sur un TikTok, où je vois la petite épée de Michou, et ça dit Michou va bientôt faire un feat avec Choco pour interrogation. Mais moi, faut m'apprendre des choses. Bah en vrai, il y en a beaucoup, hein. En vrai, il y en a beaucoup, même... Choco. Oh. Choco, c'est pareil, elle s'est lancée il y a pas longtemps, elle est jeune, etc. Et franchement, ça marche bien. Oh, j'aimerais bien savoir de quoi il parlait avant, mais trop sympa. Bah, Michou, en soi, pour l'avoir rencontré plusieurs fois et tout à WebEja, c'est vraiment un youtubeur, rien à dire. Genre, il est vraiment droit dans ses baskets, hyper gentil, drôle, vraiment, j'ai rien à dire. Et ça se voit, lui, il a des vraies valeurs et il ment pas dans ses vidéos. Donc, c'est pour ça que moi, je kiffe vraiment le contenu de Michou. Mais en tout cas, c'est le boss. Bah, merci, Michou. T'es le boss si tu regardes cette vidéo, merci. Donc, pour répondre à la question, Michou va faire un feat avec Choco. En tout cas, c'est pas prévu. Pas de ce que je sache. Vous m'apprenez des choses. Mais en tout cas, si un jour ça se réalise, bah, je suis là. Non. Vous avez vu ma réaction? J'ai dit non, j'ai tout de suite fermé la page. Il y en a, vous abusez trop du bail. Je sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui aiment trop créer des rumeurs en mode ouh, loulou, Choco, Inox. Les gars, y a rien. Les gars, y a rien. Je ne lui ai même jamais parlé. Genre, je pense que j'ai dit bonjour une fois et c'est tout. Voilà, je coupe le truc du rumeur. Stop. Plus j'en parle, plus ça devient gênant. Y a vraiment rien. On va voir ce que le mec il a dit dans sa description. Ceci est pas une vidéo juste pour prévenir les abos de Choco sans avoir regardé son live, mais allez le voir, c'est une dinguerie. Mais s'il vous plaît, Choco et Inox, faire une vidéo ensemble, s'il vous plaît. Allez nous faire péter des barres, s'il vous plaît. Trop mignon, trop sympa. C'est quoi son,
Ce compte c'est... Oh non, Bichette, Choco76, Choco X, Inoxtag X Michou, Bichette. Et ouais, du coup, il y a que des vidéos. Oh non. En tout cas, c'est trop mignon parce que du coup, grâce à cette vidéo, je vais pouvoir faire des gros bisous aux personnes qui créent des comptes comme ça et qui font des TikTok fans. C'est trop mignon, c'est trop choupi. Bon, on va passer à un prochain TikTok. Voyons voir. Alors, maintenant, on va taper Chocolat and Vanilla. Voilà. J'ai bien trouvé un petit TikTok qui vient de Chocolat and Vanilla 13, l'évolution de Chocolat and Vanilla. On va voir mon évolution sur YouTube. Là, je vois qu'il y a écrit 2022. Alors, il faut savoir que moi, je reviens de très loin. Je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, je vous dis, l'évolution n'est toujours pas encore terminée. Vous êtes prêts? C'est parti, on va regarder. 2022, la vidéo où j'ai fait du coup avec Noah, où j'ai découvert, bah du coup, enfin, je vous ai fait découvrir mon nouveau studio qui est ici à Webedia. Franchement, c'est que le début. Hein. Oh non, la vidéo 2021. 2021, c'est quand je faisais du Fortnite RP. Oh, ça remonte. Oh, ça remonte avec gros yeux et Lexa. Putain, ça me rend trop nostalgique. Regardez, 2021. Avec Christine et tout. Oh là là, 2020, ça va être quoi? 2020, lorsque j'avais fait... À l'époque, j'avais fait une vidéo avec... j'avais fait deux vidéos, je pense, avec Jean-Fils. Oh mon dieu! What? D'où je sors? D'où je reviens? Non, franchement, j'ai fait une évolution. Et là, oh, 2019, Movistar Planet. Oh! Chocolata! Oh mon dieu, ça me rend trop nostalgique. Je veux que vous, là maintenant d'ailleurs, dans les commentaires, vous écriviez « Je te suis Choco depuis ». Et là vous écrivez 2019, 2020, 2021, 2022, depuis aujourd'hui, depuis 3 jours. Dites-moi depuis quand vous me suivez, franchement ça me fait trop plaisir. Je me dis genre qu'on va bientôt être 1 million sur la chaîne, bientôt peut-être. J'espère que je serai là pour voir ça, mais c'est une dinguerie. Allez, 2022, bam. 2021, je vous regarde comme ça, c'est quoi cet emoji? Pourquoi, ça veut dire quoi en fait? Ça c'est en mode 2022, ouais c'est bien. 2021, le football il a changé. 2020 par contre c'était choquant. Oh là là, c'est quoi? C'est la première fois que je joue à Fortnite. C'était en 2020, saison 3, chapitre 2, oh là là. 2019, jouer à Movistar Planet 2 quand ça avait ouvert. Incroyable, en vrai on a fait une évolution ensemble les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai plus la même vie qu'avant et c'est d'ailleurs pour ça que là j'aimerais encore vous remercier. Parce que je le fais pas beaucoup et parce qu'en fait je suis trop shy, je suis trop timide. Non mais du coup merci encore parce que je le dis pas souvent, il y a tellement d'anecdotes en ce moment qui est en train de se passer dans ma vie. Quand un jour je vous ferai une vidéo anecdote avec les abonnés parce qu'il y a des abonnés qui m'ont suivi récemment. Les gars, je suis en train de jouer là clairement à cache-cache. Il y a des abonnés, ils sont en train de me suivre. Ils veulent pas me lâcher. Genre, comment je vais faire pour rentrer chez moi si on me suit? Ils sont encore là. Je vous jure, je peux pas retourner la caméra parce que sinon vous allez voir. Je joue à cache-cache, c'est-à-dire je me cache, ils me trouvent. Ah, ils courent. Alors, il y a trop de choses à vous dire. Il y en a qui sont adorables, comme il y a des personnes qui sont très cocasses. Je vais tout vous raconter bientôt dans une vidéo. Peut-être 30 000 pouces bleus. Mais non, mais franchement, merci encore du fond du cœur pour ceux qui sont toujours présents sur mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Et qui me soutiennent. Bah, merci du coup, Chocofan, pour le petit. C'est quoi ça? Mais je me souviens, c'est un abonné avec... Je crois pas que ce soit son compte. Mais c'est vrai que lui, il était devant Webedia. Je venais de sortir de mon studio à Webedia, j'allais rentrer chez moi. Il était devant Webedia à quelle heure? Il était, je crois, 23h minuit, c'était vers l'été. C'est une dinguerie. Le petit, il est resté jusqu'à 23h. Moi, ça me choque. Non, mais franchement. Du coup, bah merci, merci de me soutenir autant, mais j'en vaut pas la peine. Oh, restez chez vous. Mais du coup, jour 44 pour que Choco commente? Non. Me dis pas qu'en fait, jour 45, jour 42. Mais non, mais là, du coup, là, je vais pas te répondre en commentaire. C'est pas drôle. Je te réponds en vidéo. Ça veut dire que ça fait chaque matin ou chaque soir avant de dormir, elle ou il se réveille et upload un TikTok avec écrit jour 3, jour 4, jour 5 avant que Choco réponde. Et ça fait bientôt là le 50e jour. Et bah, je suis trop honorée de te répondre avec cette vidéo. Voilà. Bah, gros bisous. Choco fan. Voilà, trop mimes, finesse, c'est trop mignon. Alors, on va continuer avec Choco, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous trouvez Choco belle comment? Oh, mais attends, là, attendez, là. Je suis pas en train de me perdre un peu sur TikTok. Mais là, je suis clairement en train de me perdre. Je réagis à un TikTok qui réagit à ma beauté. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Belle, 1, 2, 3, 4, cœur rouge et un cœur cassé. Pas du tout, c'est quoi tous ces cœurs cassés? Attendez. Oh, j'allais dire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont mis des... cœur cassé et quelqu'un a écrit personne avec plein de... En plus, il a mis pas 1, 2, 3, 4, 5. Non, il en a mis 6 exprès, ce hater. Je vais voir les réponses. T'es qui, toi, d'abord? Grave, t'as raison. J'espère que la meuf 57 disait t'as raison. Pas pour le fait qu'ils disent que je suis giga moche, mais sur le t'es qui, toi, d'abord. Non, mais attendez. Je suis vraiment en train de m'embrouiller moi-même en réagissant. Non, c'est trop drôle. Non, mais ils sont trop mignons, trop belles, trop belles. C'était à l'époque où je venais de montrer ma tête, où je stressais vraiment trop. Parce qu'en gros, si vous savez pas, ça va faire bientôt presque un an, en vrai.
que j'ai montré ma tête. Le temps passe vraiment vite. Bah, trop mignon. Ce TikTok, trop mignon, mais bon, il y a quand même des personnes qui n'ont pas du tout. Alors, je vous observe, vous pouvez garder votre avis, hein. J'ai un rêve. Qu'elle s'abonne à moi. Oh non! Mais je sais qu'elle va jamais me repérer. Oh non! C'est trop triste! Il faut savoir que je suis hyper sensible. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent et qui à chaque fois me disent dans les commentaires: non mais Choco, elle abuse trop, elle fait grave du fake, elle surréagit. Je vous jure, je suis vraiment comme ça dans la vraie vie parce que je suis hyper sensible. Ça veut dire que moi, je trouve ça trop triste. Genre de me dire qu'il y a des gens qui me suivent autant et qui sont grave derrière moi, moi, ça me touche vraiment, hein. Oh mais regardez, comment vous voulez pas être ému? Oh non! Je vais pleurer. En fait, c'est la musique aussi qui joue. Non, trop mignon. Mon mascara, il va couler à cause de vous et vos bêtises, là. Je suis trop hypersensible. Je retire mes petites pleurs et rêtes et je reviens. Un bonhomme. Choco, t'es un bonhomme. Allez, on va passer à d'autres TikTok. Mais vraiment, Renager, vous êtes trop chou et merci encore d'être présent sur mes vidéos et mes lives et tout, tout, tout. Quand j'ai vu que Choco n'était plus à voir mon compte. Ah non, vous me faites culpabiliser. Bon, ok, je vais m'abonner aussi à toi. Et à la fin, je vais me retrouver avec 400 abonnements après cette vidéo. Oh, mais c'est trop mignon. En tout cas, c'était une trop, trop belle surprise, une trop belle découverte. Merci à toutes les personnes qui me suivent autant. Merci même aux personnes qui sont juste derrière mes vidéos et qui prennent le temps de juste regarder les vidéos et de me soutenir en mettant des pouces bleus. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye. Les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.